J'ai eu l'occasion là-bas de discuter avec le groupe, notamment des Caraïbes. C'est vrai qu'ils ont vraiment durci le ton en partenariat avec le Pacifique pour demander d'accélérer l'atténuation, d'accélérer les budgets d'adaptation et avec une volonté même demain d'appeler à la responsabilité. Aujourd'hui, on parle beaucoup de solidarité Nord-Sud. Or, les îles sont en train de pointer le fait qu'on n'est plus dans la solidarité, là, on est dans la redevabilité, la responsabilité des pays pollueurs envers ceux qui sont déjà les plus touchés. Et les îles qui n'ont pas beaucoup d'espace sur ces îles pour pouvoir peut-être construire ailleurs. Et donc, ça a été quand même un message très fort qui a été porté par tous les peuples insulaires pendant cette COP. L'information, on continue sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.